Salut, mon nom c'est Jean-Philippe Côté, et je suis une personne ordinaire qui vit dans un monde à l'envers. Premièrement, c'est quoi être ordinaire? C'est quoi être normal? Y a-t-il une normalité sur la Terre? Quelqu'un peut-tu être normal, vraiment? Oui, il y a du monde plus spécial que d'autres, mais on est tous différents, je pense. Il n'y a pas de personnes normales, je pense. On a toutes quelque chose. Mais tout ça pour dire que sur la Terre, c'est vraiment le monde à l'envers. Si on prend l'exemple, on va commencer, mettons, un petit exemple, l'amour. Je vais me prendre moi comme exemple. Toute ma jeunesse, j'étais le meilleur gars, tu sais, le bon gars. C'est justement celui-là qui se fait pas de blonde parce qu'il est trop fin. Celui-là qui est l'ami, là. Puis, c'est quand j'ai commencé à être un minimum, comment je pourrais dire ça, colon, que, oh, tiens, finalement, j'étais intéressant. Je sais pas si c'est moi qui marche à l'envers, hein. Là, ça fait longtemps, c'est dans le passé, mais je sais pas si c'est moi qui marche à l'envers, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Puis après ça, le monde se demande, je prends jamais des bonnes personnes, c'est tout le temps du monde cave. Que ce soit une fille ou un gars, tout le temps ça, tu sais. Un job, même affaire. On se donne comme des cons pour des salaires de misère, puis on se fait bouffer la moitié de nos payes par les impôts, puis on. À la fin, on fait des rapports d'impôts, soit on est encore obligé d'en payer, ou on s'en fait donner une petite partie. Ça, je l'ai jamais compris. C'est sûr que c'est pas mon domaine, là, mais. Quand même, je veux dire, on travaille pour cet argent-là, elle devrait nous revenir un minimum, tu sais. Sinon, la vie en général, l'amitié, la vie sociale. À cette heure avec Facebook, tu sais, je veux dire, j'étais un accro de Facebook, je le dis, là, je le dément pas, là. J'étais un accro de Facebook, mais je comprends toujours pas la logique du « on a 400 millions d'amis sur Facebook, mais en as-tu vraiment des vrais amis là-dedans? » Oui, mais pas beaucoup. Moi, je suis pas étudiant, tu sais, je suis pas contre la grève en tant que tel, je comprends qu'un étudiant veut pas payer. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font non, arrêtez de vous acheter des iPods, de faire au même. C'est parce que pas tout le monde qui est dans la même situation. Il y en a qui mangent du Kravdiner et qui ont de la misère à manger le Kravdiner, justement. T'sais. Les autres sont obligés de payer comme tous les autres. Là. C'est ça qui arrive, c'est ça qui est plate. On devrait être géré selon notre salaire, en tout cas, quelque chose du genre. Nos revenus, tu sais. Oui, il y a toujours les prêts, mais les prêts et bourses, c'est pas tout le monde qui peut les avoir, en tout cas. Si on parle de politique aussi, ça me fait rire, là. Un politicien crie des jeunes qui font la grève. Ok, je comprends, il est peut-être pas d'accord, là. Mais je sais pas si tu le sais, le grand, là, mais... ces jeunes-là, c'est la relève. Je veux dire... tu sais, le monde qui vote, là, ben, c'est pas mal eux autres, là. Il y a les vieux, puis il y a la relève. Fait que, fais attention, je veux dire, tire-toi pas trop dans le pied, parce que si eux autres, ils décident de tous se joindre aux prochaines élections, puis à voter contre toi, ciao, bye. Tu sais, c'est... pas normal là, qu'un politicien rit des citoyens. Là. C'est n'importe quoi. Mais anyway, tout le monde rit de tout le monde de nos jours, je pense. C'est moi qui est pas normal. Je suis normal, puis c'est les autres autour de moi qui le sont pas. Moi, j'ai peut-être pour le moi, je suis pas normal, mais encore là, ma façon de penser, je trouve que c'est la plus logique par bout. Là. Je parle de n'importe quoi. Là. Je me promène, je regarde. Du monde là, qui se force dans la vie là, à trouver des façons de faire un minimum de cash. Des quêteux font des spectacles dans la rue, de faire même faire un petit peu d'argent pour être capable de survivre. Il y en a d'autres, c'est pour des mauvaises raisons, genre de l'alcool ou des trucs du genre, mais bon, ça fait partie de la vie. Et les autres, ils devraient pas nécessairement être dans la rue, tu sais. Il y en a qui l'ont trop facile, puis il y en a qui l'ont trop dur. Selon moi, c'est ça, là. Mais bon, je peux pas changer le monde à moi de seul, on s'entend, mais... C'est mon point de vue, j'avais quelque chose sur le cœur, là, tu sais, je regardais le monde à l'envers aujourd'hui, je me promenais dans les rues, je travaillais, puis je regardais ça, puis je me dis, tu sais... le sexe, ça mène le monde, premièrement, on est tous menés par ça, là. Ça, l'argent, ça fait partie des grosses affaires qui mènent le monde. Les suicides, encore, ça me passait, il y a un gars qui a bloqué le pont de Québec, parce qu'il... le pont Pierre-Laporte, parce qu'il voulait se suicider ou je te fous pas quoi... C'est peut-être pas nécessairement à cause de l'argent, mais le suicide, ça devrait pas avoir lieu, ça. C'est une autre affaire, t'sais, intimidation, peine d'amour, problème d'argent. Le suicide, c'est peut-être la solution la plus facile, mais... En bout de ligne, le problème,
il reste présent sur la planète là. Je pense qu'on aurait besoin d'un gros gros caucus, là, quelque chose là, parce que là, faut qu'on se réveille, faut faire quelque chose là. Chaque personne devrait faire sa part là, pour faire bouger les choses, parce que le monde à l'envers, faut la redresser là, parce que là, on s'en va directement dans un mur.